Alors, les berniques pour débuter avec sur votre bras le concombre, fleur de saucisse, tomate et verveine. Ensuite, on continue avec le bigarmi, vinaigrette, badiane. Et pour terminer, la langoustine avec le blé. On met juste dessus. On débute ici avec l'estran. Donc, vous allez retrouver l'ormeau, l'huître sauvage, cuit entier dans leur coquille. Avec également l'infusion d'algues que je vous rappelle. Les algues du bas de l'eau avec silène et fenouillette. Apportera le vin, le pain au levain juste qui est fait par notre boulanger. Mmh. Le pain au levain naturel et au blé noir. Il a été construit par la famille. Bonjour. Par la famille Poilage. Donc c'est vous le boulanger. C'est ça. Et vos prénoms? Moi c'est Johnny. Et moi Alexandre. Merci. Et là, qu'est-ce que vous faites? Là, on est en train de préparer des tartes pour les petits déjeuners. Donc là, tarte chinoise aux poires, actuellement. Et voici... Oui, là, vous pouvez conserver 4-5 jours facilement, sans souci. Ouais, c'est 8,70 s'il vous plaît. Vous avez donc le beurre demi-sel. Le beurre demi-sel, j'ai tiré le marchand à base de lait cru, uniquement au Mont du Léon, base bretonne. Voilà. Deux plongées, madame, monsieur, avec une vinaigrette de crapaudine. Donc, crapaudine, on est sur une variété de betterave. Avec moutarde de celtique, c'est un mélange de moutarde, anchois et algues. Voilà. Madame, monsieur, vous allez poursuivre avec les langoustines. Juste plongé dans le courbouillon du diable et mariné avec une vinaigrette à l'argousier, citron vert. Et vous avez sur le dessus une julienne de carottes et poivre nilamundi. Merci. Alors là, ce sont les praires. Vous avez une compotée de pommes rainettes, un lait d'amande au sarrasin torréfié et gomasio, notre mélange de graines. Sarrasin, sésame, j'ai compris. Alors, vous avez trouvé les crevettes bouquet. Oui. Avec le rao ram qui est une coriandre vietnamienne sur son toast au beurre madame. Ensuite la courge avec physalis, pekios et rao ram également. Et je verse un jus à base de bouquet et de piment légèrement piquant, piment puya. Mexique. Alors voici la margarita, donc massage grillé au feu de bois, accompagné de champignons de sel, algues nourries râpées sur le dessus, séchées au préalable, avec le jaune d'œuf cuit dans un vinaigre sceptique de bière, cassé pour apporter de l'enclosité. Alors vous allez retrouver le homard au gruau de cacao, piment mexicain, vin de Xérès, chardonnay de poire. La feuille épinard de notre champ, la ferme du roi. C'est la grosse société de qui se faisait à l'époque à la maison où j'ai vécu. Le petit homard vin de Xérès et cacao. Alors donc les fromages, ils sont tous normands ou bretons et tous sur les crus et de production fermière. Donc je vais commencer avec les trois normands ici au lait de vache. Vous avez le camembert du champ secret, donc le seul camembert au lait cru biologique, vous connaissez peut-être, hein, vache 100% normande. Ici le cœur de Neuchâtel, le Pont-l'Évêque, tout le reste c'est la Bretagne, avec ici le Darlet, donc c'est un fromage qui va être un peu cousin du Saint-Nectaire, fruité, assez doux. Le petit Malig, une tome au lait de brebis, deux chèvres, l'Hermine qui est aux algues et le chèvre frais biologique. Au fond, trois tomes, on a le bleu des Côtes d'Armor, le cheddar ressorti et ici la tome de Bretagne, un an d'affinage. Madame, vous avez juste ici pour commencer le cheddar aux orties, la tuile aux graines de lin. Vous continuerez avec la tonne de Bretagne, un an d'affinage et un crème au lait cru de Thierry Le Marchand, le Pont-l'Évêque et la gelée pomme cidre. Et on terminera avec le bleu des Côtes d'Armor et la confiture de figues. Sans oublier au centre le vinaigre celtique de la maison, vinaigre de cidre et d'épices. Merci. Je vais vous présenter le chariot de dessert. Donc sur le premier étage, les trois incontournables de la maison, le Paris-Cancale pistache praliné, le millefeuille à la vanille de Madagascar, et puis les profiteroles, servis avec la glace vanille au lait cru et la crème cru, et la sauce chocolat du Mexique. Sur le milieu, les différentes coupelles, vous avez à gauche la poire pochée à la vanille de Madagascar, servie avec une glace au curry corsaire,
Sur le milieu, les perles du Japon au lait de coco, sorbet à la mangue. Et puis les pommes au muscovado, servies avec un sorbet, cidre et pommes. Tout en bas, nous avons la tarte chocolat caramel au beurre salé, sablé au sarrasin avec tatin, citron vert et pommes. Et puis on va terminer avec la tartelette café et cardamome verte. Merci madame. Merci. Vous commencez bien par la profiterole, la sauce est refroidie très très vite. D'accord. Monsieur, je vous écoute. Moi, ça va être le millefeuille. Très bien. Et puis avec le millefeuille, monsieur. Perle du Japon, lait de coco, sorbet mangue. Autre chose peut-être, monsieur ? Ça sera bien. Très bien. Merci à vous, excellent après-midi. Un fond de rhum, ananas, fruit de la passion. Je verse le cidre chaud aux épices. Pour accompagner, vous avez un caramel à la vanille. Une meringue au gingembre confit, pâte de fruits, framboise, fruit de la passion, la guimauve est à la cannelle, et là vous avez la truffe avec notre chocolat du Mexique et la noisette. Thank you.